Salut tout le monde, c'est Melclem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas le temps de niaiser, je suis un peu malade, j'ai un voix un petit peu cassé. Là dans cette game je joue Miss Fortune. Encore. Avec Karma contre Ezreal. Et Senna. C'est une game diamant 2. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Là ils ont une veille de top. Attends, Shaco le pote, il a quoi là? Il a... Ok, il a premier coup, parfait. Moi aussi j'ai premier coup. Elle, elle a beaucoup d'argent. 20 PO, c'est déjà pas mal. Des sbires sont apparus. C'est une game diamant 2. Petite chose à savoir, sous ma souris j'avais des cheveux. Et ça faisait que je faisais des trucs bizarres quand je faisais ça, c'était vraiment bizarre. Je pense que ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai enlevé. Du coup je me sens un peu comme Rock Lee quand il a retiré ses poids contre Gaara. Voilà, c'est tout. Ça m'en plaît, j'ai toujours pas de louper les Q rebonds. Là je panique, je me dis comment je vais avoir tout, comment je vais avoir tout, et finalement j'ai pas tout. Attends, j'ai tout? Non, j'ai pas tout. Pourquoi je vais avoir des problèmes de mana très vite sur la ligne? Moi j'ai eu 11 premiers creeps. Lui j'en ai loupé un peu. Je trouve que la phase de lane s'est mieux déroulée. L'ensemble pour nous. Quel aurait dû être mon plan de jeu? Ça aurait dû être de. Les casters. Pour qu'elle mette plus facilement des Q et rester derrière les casters à moi, un peu comme ce que je fais là. Là, j'ai 23 minions. Sachant qu'il pouvait y en avoir 20... 25, j'en ai fait 2. Là, regardez. Elle avait son heal. Hein. Déjà en first blood. Ne faiblissez jamais. Elle me dit attention, va back, mais c'était pas mon intention. Je voulais juste s'assurer qu'il frise pas. Là, je suis content, je fais un bon back. Comment ça se passe sur les autres lanes? Putain, Zoé va bien m'emmerder ça. Une
Par contre là je peux setup un freeze. Je peux pas setup un freeze. Parce que c'est Naila. J'ai confondu mon support. Je lui mets 7 CS in wave. Il revient avec une tire et un peu de dégâts avec la brillance. Se passe tranquille. Et ça fait bizarre ce qui se passe. C'est dommage quand je suis. Je vais prendre des petits fruits et légumes. Il peut spawn aux alentours de 7045. Alors là. Pourquoi ça part bon ce truc? Ouais, je rappelle faire ça. Ne faiblissez jamais. Guyana, Kiri. Je crois que je suis bientôt 6 en plus. Mais là, regardez. On dirait que je farme comme un connard. Mais au final, je vais quand même pas louper le dernier creep. Voilà, et là, tir de suppression. Le but c'était pas de tuer, c'était juste que mon pote survive. Et là, le but c'est de crash la live. On est à 7 minutes et j'ai 70 farms. Enfin, on a 8 minutes et j'ai 70 farms. Mais par contre, j'ai pas d'assist. J'ai que des assists, pardon. Là, il y avait un truc chaud qui se passait au top. J'ai pas encore mon truc. Parce que j'ai pas eu des... Ça c'est bien ça. Je crois que là ils font n'importe quoi. J'aime pas Evelyne. Ça met la même pression qu'un Twitch, sauf que quand tu entends le petit cœur qui est sur toi, tu transpires. Ok, elle vient de finir son item. Non, juste le counter jungle.
crois que là je vais crever. Là elle meurt. Façon flash. Je pense que je vais encore faire un tir de suppression. Ah ouais, là il va se passer un truc. Putain, elle l'a montré, non? Ouais, on l'avait vu. Regardez, il va push cette wave, normal. Moi, je récupère la wave au mid. Et je push la prochaine. Et il me dit, what the fuck, gros? Est-ce que j'aurais dû ne pas la push? Je pense que j'ai bien fait de la push. Et là il crève. Et là je me dis peut-être que j'aurais peut-être eu la bouche. Là notre pote est cringe. Je pense qu'on va pas faire un test tout à l'heure. Quoique, si j'ai mon ulti, je pense que je vais le faire. Ah, mais Zoé, TP top! MDR. Allez, flash out. Temps de caster son ultime, la petite auto pour le passif. Et là on récupère le rack. Et là je me dis ils ont pas besoin de moi, mais en fait ils pouvaient pas. J'aurais peut-être dû rester. MDR. Et là je vois le rack et je dis putain fais pas le rack. On n'a pas fait le rec. J'ai 600 gold. Je vais prendre quoi avec tout ça? Prendre pas mal de sous. Hein. C'est pas mal. Enfin, après les drakes, c'est un peu surcoté maintenant. On se rassure comme on peut. Aïe. Là il souffre. Je pense que je vais bouffer en commentant. Non, ça se fait pas. Pourquoi j'ai fait cuire ma bouffe maintenant? Bref. Le jungler il est dead. Mais non, c'était pas le jungler. J'ai
j'aime pas ces manas. Je pensais avec la flash de Senna. En train de farm, non, je suis even avec les en face. Peut-être pas autant spam mes Q pour push. Regardez comme elle a survécu de fou. Et là, c'est un peu la panique. Il réussit à prendre le truc. Moi je crois que je vais back. Ah non, voilà. Putain, j'aurais pu faire. En fait, j'aurais dû back loin dès le début. Et regardez ce qu'il va faire. HP évidemment. Survie, mais je perds la botte. Qu'est-ce que je décide de faire? Moi je. J'aurai quand même botte. Putain, toute la wave s'est fait putain. Et là il va se passer un truc, ils vont tous crever. Et là, ils voulaient que je fasse quoi? Ils savent que je suis en bas. Du coup, c'est du 1 pour 2. Et on me flame. Alors que je prends plein de ressources au bot et tout, je pense que c'est mieux ce que j'ai fait que de mon. Putain, Zoé a TP. J'ai pas vu ça. Les deux ont TP pour mon cul. Ah ok, d'accord. Et là c'est encore fin de 9. Ok, bien pour 1. Je reviens au bot pour prendre la wave. Petite incompréhension avec mon top. Mon top qui est au corps. Hein. Qui j'ai confiance. Rien faire, j'ai plus d'ultime. Aïe. Je pense qu'ils auraient pu faire en sorte que ça charge. Je vois pas pourquoi il a TP ici. Le Drake arrive dans bientôt 25 secondes. Merci Miss Fortune. Back, on a Drake d'air qui donne 5% de mon speed en dehors des combats. Par contre, j'ai pas mon ult. Vous voyez comme ça pue. Le dragon. Ah. Et là je m'en reprends dans la gueule. Ça me saoule.
suis mort. En plus, ils étaient tankés de fou, ces malades. Et là, c'est terrible. J'ai rien à faire. J'ai fait un mauvais coup. Et là, on est tous morts. Il reste plus que là. Alors là, le moral est dans les fausses pétins. Hein. Moi, j'ai en plus de ça, j'ai 9 assists. 5 morts. Ça me meurt d'un pas. Par contre, ils sont déter pour des trucs. Super, la ping que j'ai mis, elle m'a rapporté 10 gold. Par contre, Tokor, il a acheté une chie de ping. Je crois qu'il va se passer un truc bizarre. Hein. Je crois qu'à un moment, je vais décaler au bot. Ouais, ça a failli être bizarre. J'ai combien de gueules par rapport à mon opposant? Je suis bien derrière en même temps. Si j'avais eu, si on échangeait les kills et les assists. Ah oui, c'est là. Voilà, je le mets de normal. Back. Elle a beaucoup d'expérience interactive. Et il est un peu dans la merde. Là, je me dis auto. Qu'est-ce qui se passe? 925 gold. Malheureusement, l'autre il crève. Ça fait plaisir. Putain, avec tous leurs ultimes cross map là aussi, c'est un délire. Là, je pense que j'aurais pas dû faire mon plus spell. Au final, si ça permet de. En fait, c'est la technique du Q sur un creep. Le Q, je rappelle, il arrache des darons. Hein. 411. Et quand il quitte, il fait 700 comme vous avez pu le voir. Le petit heal. Le petit heal qui m'a bien sauvé le cul. Hein. Là, c'est un Drake de feu. J'aurais pas mon ultime. J'ai 600 de move speed. J'ai 500 de boost speed quasiment. Ce qui est une bonne chose. Est-ce que j'ai pris une pink? Je n'ai pas de pink. Là, j'aurais peut-être dû mettre mon E. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai voulu rester pour push. Et ça a coûté la tête en fait. En plus, le mec il crève même pas. Je me suis bien fait insulter. Ils étaient tous dans les parages et j'ai voulu push. Je suis un bouffon. Entièrement ma faute. Aucune excuse. J'aurais pu perdre.
très gagne sur ça. Alors, j'ai récupéré quelques kills. Toujours derrière au niveau des tackles. Pourquoi je back? Ok. Je reste proche de la pink, c'est le seul endroit où je me sens vivant. En tout cas, pas en danger de mort imminent. C'était quoi ça? J'ai besoin de revoir. Ce n'est pas de la chance, c'est le destin. Je dois filer. Carte bleue, mon ref. Là, je suis le pire ultime de ma vie. Crevé. Sous le HP. Focus. Il faut back, j'aurais dû activer mon Z, mais ils vont vers le Nash. Et on va pas pouvoir faire quoi que ce soit, surtout que j'ai pas mon ultime. J'ai fait de très mauvais ultimes, je trouve. Et c'est même pas que en général. Là c'est un peu le moral dans les chaussettes, ils ont pris le drake de feu et la nageoire. On aurait pu avoir une pression de dingue sur le prochain drake de feu, mais finalement on n'a pas ça. Alors ensuite ce qu'ils vont faire évidemment. C'est qu'ils ont pressure comme des malades. Poppy avait la TP, je pense qu'elle aurait pu rester. Ah ouais, c'est ce qui fait bien jouer. La tourelle rouge a été détruite. Ça est la terre. 500. Là on chase, mais en vrai ça sert à rien de chase cette merde. Là je dis les mecs, ça vous dit pas un dragon? Focus. On aurait, ça aurait pu être la soul. Hein. Ne faiblissez jamais. En plus c'est ridicule, 3 de dégâts. Focus. Je vous rappelle que quand c'est sorti c'était 6% des dégâts. Là j'ai dit, allez, on se bat. On se bat. En vrai je back à pied, je suis tellement rapide. Mon Poppy a back avant moi mais je voulais pas rester seul. Ok, et là il va faire des feux. Parce qu'ils ont toujours le nage pour ça. Ah, j'ai peur là, j'ai très peur de ce que je vois. Je fais un ultime. Et là je me fais le play MDR. C'est 2 pour 1. Et là on perd. Top. Un pote, deux potes. Allez, top. Ça pue un peu. Panique.
puissant sur le coup. Ça réveille, hein. Après, je crois qu'il n'y a pas d'objectif pour bientôt. Je dépêche top. Je dépêche encore top. Ce qui fait que je reviens pas mal en gold. J'ai plus qu'à 600 gold de différence. C'est bizarre. Il y a bien plus de kills que moi et ça fait pas 600 gold ça. Et là ça commence. Ça c'est la recette du chef de CTD. On commence avec une petite IE. Enfin une petite BT. Ce qui m'amène à 60% de crit. Est-ce que je vais crever comme une merde? C'est possible. Le truc c'est que je vais pas crever comme une merde, mais... on a tous les deux 2 HP. Alors évidemment on se tire. Et là va commencer ce qui ne devait pas être fait. Du coup bah rip. Ils vont faire quoi là? Ils vont faire une hache. Non. Aurait dû. Dix secondes sur Karma. Et il a dit should I try? Moi je lui dis yes. Et après je lui dis non. Ça se voit même pas que le drag a été fait sur la timeline. Bon là il veut faire le Nash. Bon je continue de push. Là je me dis j'ai mon ult. Là je me dis pas de chance. On aurait pu avoir la soupe. Bon, ça veut dire qu'ils auraient eu la mèche. C'est peut-être. Mais si on avait eu l'âme, ce serait peut-être mieux. C'est comme ça. Et là, le fun commence, les ennemis. On a 3 tours et un inhib. Ils ont un hachoir en cuir. J'ai plus le manteau d'ennemi. Elle s'en sort. Non, pas comme ça. Elle s'en sort pas non plus. Bon, je pouvais flash, mais j'ai plus rien. Du coup, je vais push. Et là, deuxième astuce du chef. Là je suis on fire. Un Drake hashtag, un Drake de vent, un Drake de feu. Le stuff complet. D'ailleurs, je suis à 19 300 gold. Ezreal, il y a 2000. Ouais, il est dans le même sens que moi. Et là, regardez bien. Le but. Hop, une petite auto sur toi. Une petite auto pour sur toi.
t'auto sur toi, déjà ça arrive. Et là bah, je suis comme un con, je suis niveau 18 avec la pote et je vais devoir dépush toutes les vagues. C'est pas très intéressant, là 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 là, hop, ensuite faut aller top là 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 là. Et là je dis les potes, je suis niveau 18, ça sert plus à rien que je push des waves. J'actualise ma potion, je peux faire que ça. J'ai déjà revendu mes bottes. Les bottes gratuites, hein. J'ai revendu. Oulala, alors là il faut revoir les trucs. S'il y a des trucs intéressants, c'est ça. Regardez bien. La spéciale Maelstrom qu'on ne présente plus. Bonne joyeux Noël. Hop. C'est moi l'assassin. Voilà. Ensuite, il y en a une ici. C'est pas moi qui l'ai one shot. Là je dis vas-y, vas-y, tu veux quoi toi? Hop. J'ai fait un crit rebond à 1100. Aïe. Et là je me dis c'est pas grave, tapez-moi. J'ai une BT. Là on va bouger de fou. Puis fortuner les tourelles, une grande histoire d'amour. Attendez. Passif, il fait combien? Il fait 576. Plus 576. Je vous laisse méditer là-dessus. Oh là là. Ce bouffon, il fait quoi? Il fait feu. Voilà. Ensuite, auto ici, auto ici, auto ici, auto ici, auto ici. Au revoir les tours. Et on finit, voilà, GG, GG. Je fais beaucoup d'erreurs, mais Miss Fortune World Game est égal à atomisation. Bref, moi je vous laisse, merci pour avoir suivi cette game. Akame qui me regarde faire n'importe quoi en ranked. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait deux classés, deux victoires. Cette classée là, un Nocturne et un Vladimir. Qui flamait de fou, c'est pas la question.